Voilà, bonjour, nous sommes ici toujours à Albeck, au jardin d'Albeck. Nous sommes le 21 novembre et voici la première offensive hivernale avec quelques gibolets, un peu de neige fondante. Elle tient un peu, donc c'est l'idéal. Ça permet de limiter les mauvaises herbes, surtout la Galinsoga qui est très active tant que le temps est doux. Donc ici, la première gelée, elle disparaîtra. Donc c'est un bienfait pour les jardiniers. Donc il y a aussi tous les légumes racines qui se mettent au repos. Donc ici, les betteraves rouges, les carottes. Voilà, tout ça, on pourra récolter et éventuellement alors les mettre dans des containers avec de la tourbe. Parce qu'ici, on a affaire à pas mal de rongeurs, donc des mulots qui sont présents sur le terrain. Si on laisse tout en terre, ce qu'on pourrait faire habituellement en protégeant légèrement avec des feuilles mortes et sèches, on pourrait maintenir les carottes tout l'hiver en terre. Mais comme ici, les rongeurs viendraient prélever leur part. Et, bon, alors, il faut qu'ils nous laissent un peu quand même. Hein.